Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes. Bonne année à vous et à vos proches. Pour cette année, les gbérés seront encore plus croustillants. On démarre cet épisode avec un croustillant buzz. On a récemment vu sur la toile des photos de l'influenceuse Lolo Beauté et de l'artiste chanteur Tiesco le Sultan s'embrassant passionnellement. On aurait dit qu'ils vivent le parfait amour. En tout cas, les deux tourtereaux ont confirmé sur les réseaux qu'ils étaient en couple. Une nouvelle qui laisse les internautes perplexes quand on sait que Tiesco le Sultan est réputé pour ses bad buzz. On a vu ici Lolo, il y a un an ou deux ans en arrière, il nous a dit qu'elle était en couple avec Sélik Ramba. C'est un frère ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire. Il a essayé de traverser la Méditerranée, mais arrivé en Libye, ils l'ont frappé. Et dès qu'il y a Ado, papa Ado a envoyé avion, il est monté, il est parti. Que non, c'est son gars. Nous, ils ont dit non, c'est buzz. Elle a commencé à prendre son tchatcho là, laver les orteils de Séni. En tout cas, elle a lavé Séni. C'est quand sa cause de popularité descend, elle s'en chez garçon, fait buzz. Toi, Tiesco, les gens t'ont fermé à bien quand tu étais retour à la maga, t'es quitté là-bas, t'es un jour, t'es gonflé, gonflé, on est un peu sucré des femmes ghanéennes. Tu as commencé à reprendre un peu, tu n'as pas te calmer. Tu allais sous les varans, Anaconda pour nous envoyer. Même si c'est buzz de musique, apprends ta chanson, tu as l'île. Je le dis haut et fort. Voici quelqu'un qu'on appelle Tiesco le Sultan, qui, après avoir tapé poteau sur tous les buzz, se retrouve dans le monde du blog avec une blogueuse. Mais c'est normal que nous, les blogueurs, là, on s'offusque. Parce que même si c'est en semblant, Tiesco le Sultan, il n'est pas l'élément. Je préfère Yaka Yaka 10 000 fois que ce Tiesco le Sultan. Donc quand vous venez pour me dire non, l'unique, tu es jaloux de Tiesco, pourquoi tu parles comme ça? Je ne suis pas jaloux de lui. Je ne l'aime pas. On préfère mettre quelqu'un qu'on dit il est efféminé. Que quelqu'un qui est court comme ça, on dirait Boudignan. Que non, on parle de ça. Hein? Vous voulez quoi de ma relation? Toi, tu es dans quelle bonne relation, toi, Lolo Beauté? Il est né en France ici, non? Il a tout en France ici, non? Il n'a qu'à te montrer son appartement où il vit ici. Quand tu es quand le Sultan vient ici, là, il sait où il dort. Si on comprend bien, là, tu es prêt à défier ton grand frère à cause de garçon. Mais c'est pas hypocrisie. Il va venir s'asseoir pour faire comme s'il ne voit pas ce qui se passe. Depuis, il chante là. Il a fait concert où? Même petit concert qu'il a fait là. Il a tapé poteau. Tout ça pour frustrer Makoso. Moi, j'aurais préféré que tu retournes avec le papa de tes enfants. Qu'elle est venue t'asseoir pour nous présenter un nulard comme lui. Qui est jaloux de vous? On le veut pas. Je me suis assis, je me suis dit en 2023 encore. Des gens n'ont pas réussi en 2022. Ils n'ont pas construit maison en 2022. Ils ne se sont pas mariés en 2022. Ils n'ont pas eu 1 million en 2022. En 2023, au lieu de s'asseoir pour dire cette année, je serai l'homme ou la femme la plus consciente. Ils sont encore dans le béret. D'abord, Lolo Beauté, je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'elle pose un acte, on doit m'identifier là-bas. Si elle a regardé Tiesco le Sultan, que sa barbe là lui plaît. Mais gloire soit rendue à Dieu, mais pour l'heure, je n'ai pas encore vu Tiesco le Sultan venir voir le lion. Ou dire lion, ta soeur là, c'est moi désormais qui fais ça. Là, je vais lui donner les attributs pour devenir un lion. Mais pour l'heure, je mets ça sur le coup de la rumeur, car ni ma soeur ne m'a appelé pour dire vieux père, tu es le chef de famille, je t'appelle pour te donner une information. Je ne suis pas informé. Mais moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où amusement n'est pas ma priorité. Donc, vos amusements là, moi-même, je vais vous demander pardon. Enlevez mon nom là-bas. 2023, même jour là, vous venez pour dire que ouais, vous êtes en relation. Vous vous placez loin là-bas, vous avez un repéro qui est portable. Tiesco le Sultan et Lolo Beauté, c'est du buzz. Lolo Beauté, Jean Charles, Tiesco le Sultan, quoi. Et puis moi, les autres qui sont corrompus, là, ils peuvent faire des vidéos pour dire que vous êtes ensemble. Mais moi, ça ne me prend pas parce que je sais à 1500% que c'est buzz. Jusqu'à Marco soit à faire live. Depuis quand? Parce que quand on aime sa petite soeur, on ne fait pas vidéo sur sa relation. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Non. Mais votre relation, ça là, c'est buzz hier, c'est buzz aujourd'hui, c'est buzz demain et c'est buzz plus tard. Dans l'huile d'onction, quand Marco se passe le temps à distribuer, à faire la publicité, Marco se dit que l'huile d'onction là, c'est pour baigner, c'est pour trouver les maris. D'ailleurs, c'est pour trouver les maris comme Tiesco. Comme on a l'argent comme toi là. On cherche des gars que même quand tu vois le gars, même pour le parler, tu as peur. Pas le gars, alors qu'il t'aime longtemps. Il y a certains gars qui ont le charisme. Ma chère grande soeur, il faut arrêter de fréquenter les milieux de Ndjukulundjakala. Est-ce que Aïcha la Camoise sait dans quoi même elle est née? L'unique buteur à droite. Bon, ces deux-là même, on peut les mettre ensemble.
Ta bouche qui fait la sanaka, c'est limité au Cameroun. Hein. Faut pas savoir arriver sur moi, Lolo Beauté. Parce que tu ne sais même pas de quelle nationalité je suis. Toi, tu ne ressens pas une Camerounaise. Tu es bizarre. C'est quand jalousie ça m'a dit. Quand oui, je dois chercher un homme en classe. On t'a dit que moi, mon tiesco, mon bagnon, il n'est pas classe. Je vous dis, ce que moi, mon tiesco me fait, mon père ne peut pas le faire. À l'heure là, il est en train de se concentrer sur sa carrière musicale. Toi, tes nuits sont remplies, non? Maintenant, moi, je m'en vais m'attraper pour moi. C'est maintenant que vous allez venir faire jugement sur moi. Apprenez à respecter mon homme, je vous le dis. De la manière que je respecte votre condition de vie. Nous, on t'a rien demandé. Tu viens ici, tu dis que tu es milliardaire. On n'a pas vu la partie où tu as divorcé, là où tu as Tiesco. Au fait, Tiesco, toi, tu penses que tu es en train de faire buzz. Tu n'as pas dit que tu aimes buzz. Tu nous as fait comprendre ici que ton genre de femme, là, c'est les femmes qui ont fait forme, qui t'a quoi. Bon, en quoi est-ce que Lolo Beauté rentre dans tes critères? Quelle va tomber fan de toi ici? Et puis tu as la laisser, elle va te voir le boulot. T'as vu son histoire passée, elle, le gars qui a fait les enfants et puis il n'a pas gardé là. Ils vont te maudire et puis son frère là. Tu as confirmé le code. C'est toi qui insultes Makoso, c'est toi qui veux faire buzz à sa soeur. L'expérience là, c'est très important. Tu as envie de faire quelque chose là. Si ça t'a pas tué là, ça va te rendre plus fort. Mais ce qui va arriver là, elle va assumer. Elle sait qui est-ce que le Soudan sur la toile. Elle a vu. Et puis elle dit que c'est lui, elle veut. On la regarde. Le buzz là, ça a quel rapport? C'est quoi l'objectif au fait? Venir montrer aux gens quoi? Sincèrement, quand vous parlez de buzz. Oh, c'est buzz. Oh, c'est buzz. Mais quoi on fait buzz là? C'est pour atteindre un objectif? Vital comme ça là, elle a fait son buzz avec Momo Wong là. C'était pour que son morceau marche ou je sais pas. C'est-à-dire que vous vous levez, vous faites des buzz qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Donc Yaka, actuellement là, si tu dis que tu es garçon là, faut insulter Lolo. Tu vas voir ce qui est dedans. Tu vas voir, qu'est-ce que le Sultan va sortir sur toi. Il va te faire ça propre. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.